Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing partenariat. Donc, j'ai reçu un colis de la boutique DP Club. Donc, il me semble que c'est la première fois que je collabore avec cette boutique. Il m'avait contacté il y a un petit moment déjà. Et en checkant un petit peu mes mails, tout ça, j'ai vu que je ne leur avais pas répondu et que je n'avais encore jamais fait de partenariat avec eux. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas leur répondre positivement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, du coup, là, au niveau du colis, j'ai dû leur envoyer ma sélection de produits aux alentours du 11 mai et j'ai reçu ça le 20 mai. Donc, après, le temps qu'ils regardent mon mail, qu'ils envoient, enfin, qu'ils préparent et qu'ils envoient, voilà, ça a été quand même assez rapide. Donc, en 9 jours, entre le mail que je leur ai envoyé avec les produits et quand je l'ai reçu, ça a fait 9 jours. Mais je pense que eux, le temps qu'ils regardent mon mail, qu'ils préparent le colis et qu'ils l'envoient, forcément, il y a eu peut-être quelques jours de plus. Donc, c'est un colis qui a été quand même très, très rapide, hein. Voilà, c'est la première fois que je travaille avec eux et je trouve qu'ils ont été assez rapides au niveau de l'envoi. Donc, j'ai choisi trois produits. Donc, je vais vous les montrer. Alors, avant de vous montrer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, moi, tout va bien. J'ai eu ma deuxième échographie il n'y a pas très longtemps. Tout va bien. Donc, ma petite se porte très bien. Elle est, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Donc, je suis très contente. J'ai aussi fêter mon anniversaire donc cette semaine. Donc aujourd'hui on est le jeudi 26 mai. Donc moi je suis née le 24 mai. Donc voilà, mardi j'ai fêté mon anniversaire. Je n'ai pas demandé de choses en rapport avec le diamond painting parce que j'en ai tellement déjà que voilà, j'ai demandé d'autres petites choses qui vont me servir pour ma classe, des petits gadgets pour moi. Voilà, des petits gadgets électroniques, tout ça. Donc je vous montrerai pas ce que j'ai reçu parce que c'est pas en rapport avec le diamond painting. Et aussi, j'ai une super nouvelle voilà, que j'ai eue bah, justement le jour de mon anniversaire aussi. Ma sœur était enceinte aussi, pareil, enfin en même temps que moi, mais elle est un petit peu plus avancée. Et du coup, voilà, le petit est né le jour de mon anniversaire. Donc, je suis devenue tata le jour de mon anniversaire. Donc, je suis très, très heureuse. J'ai hâte de le voir. Donc là, elle est encore à l'hôpital, hein, forcément. Donc, il la garde 2-3 jours si tout va bien. Donc voilà, je suis très très heureuse de pouvoir vous annoncer ça. Je vous partage aussi les beaux moments comme ça de ma vie. Donc voilà, je suis très heureuse. Et bah, c'est parti, on va, je vais ouvrir le colis. Alors voilà ce que j'ai pris sur la boutique DP Club. Donc j'avais pas un très gros budget, hein. Je devais avoir peut-être 20 ou... Oui, ça doit être 20 ou 25 dollars, je sais plus trop exactement, mais... voilà, c'était un petit budget, donc j'ai pris trois petites choses. Donc en tout premier, j'ai pris ceci. Alors je pense que vous en avez déjà vu plein sur les chaînes. Voilà, ce sont les nouveaux classeurs en ce moment qui font, qui ont du succès. Donc ce sont des classeurs comme ça au format A3 et vous pouvez vous glisser vos DP à l'intérieur. Donc plein d'autres boutiques le font, hein. Donc moi j'ai pris le rose comme ça, donc format A3. Je ne sais plus combien il a de feuilles, je crois que c'est 30 pochettes. Voilà, il y a écrit 30 pockets, donc 30 pochettes au format A3. Donc moi je vais m'en servir un peu comme bah, les autres copinettes. Hein. J'en ai déjà quelques-uns que j'avais achetés sur Amazon, donc les noirs. Où je mettais mes DP finis. Et je pense que je vais utiliser ceux-là pour... en tout cas, celui-là, pour mettre mes DP que je n'ai pas encore fait. Donc là, ils sont tous au niveau de mon tiroir. Mais j'en ai encore plein que je n'ai pas rangé, que je n'ai pas mis à plat, qui sont encore dans leur enveloppe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre à plat et ensuite pouvoir tous les ranger dans ce classeur-là. Donc, au niveau du prix pour le classeur, c'est... C'est assez, bon voilà, c'est un petit budget quand même. Au niveau du prix en euros, il est à 11,96 €, donc bon, 12 €. Bon, bah, ça reste quand même raisonnable hein, pour un petit classeur comme ça. Mais c'est vrai que je ne sais plus au niveau d'Amazon combien ils sont. Il faudrait faire le,
faire la différence entre ceux de Amazon et ceux-là. Mais voilà, donc vous pouvez mettre seulement les DP qui font 30-40. Mais alors, je ne suis pas sûre que les 30, je pense pas que ça soit un vrai 30-40. Je vais regarder si c'est un vrai 30-40 qui passe ou un faux. Enfin, un faux. Alors, celui-là, par exemple. Celui-là, c'est un 30-40 avec les bords. Est-ce que ça passera Ouais, je pense qu'il faudra couper peut-être un petit peu. Non, c'est bon, ça passera. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas, bon, je ne l'ai pas glissé dedans, mais on regarde par rapport à la taille. Donc voilà, ce sont des 30-40, des vrais 30-40 qui passent. Bien sûr, vous pouvez mettre plus petit, mais vous ne pouvez pas mettre, par exemple, des 40-50, ça ne passera pas. Donc voilà, ce sont des classeurs en A3. Donc tous les DP que vous avez en 30-40 passeront dans ce classeur. Donc ça, c'est pour le petit classeur DP A3. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des petits porte-clés princesse Disney. Donc, en fait, j'ai eu envie de prendre un petit peu des nouveautés. Et ces porte-clés-là faisaient partie un petit peu des nouveautés. En tout cas, des nouveaux porte-clés voilà, princesse que moi, j'en ai encore jamais vu sur les chaînes. Alors, après, c'est vrai que je suis un peu en retard au niveau des vidéos. Mais voilà, on a la petite Blanche-Neige. On a hop, la petite Réponse. Cendrillon, la Belle et la Bête, donc Belle, magnifique, et Ariel, qui est aussi très très jolie. Et comme vous voyez, en fait, il y a juste la petite robe à diamanter, donc ça va aller très très vite. Et vous, bien sûr, vous avez recto verso. Donc je les ai trouvés très très jolis, ces petits porte-clés. Je pense après que, enfin voilà, je vais en faire une ou deux avec vous. Et puis les autres, je vous les ferai gagner, je pense, dans un petit concours. Parce que voilà, autant de porte-clés, pour moi, ça ne me sert à rien. Mais voilà, j'en garderai peut-être une ou deux et je ferai gagner les autres en concours. Vous avez avec le toolkit et les petits crochets du porte-clés. Et ensuite, il y a les diamants. Donc, ce sont des diamants spéciaux. Donc, je vous montre les couleurs que vous avez. Donc, voilà, toutes les couleurs en rapport avec les robes des princesses. Voilà. Donc, des petits diamants basiques. Hein, il n'y a pas de forme spéciale. Hein, ce sont des ronds, mais quand même, des diamants, ce ne sont pas des diamants normaux. Donc, voilà pour... voilà pour les petits porte-clés. Alors, le set de porte-clés, il est à 6,35 €. Bien sûr, ce sont les prix que là, aujourd'hui, hein, voilà, ils étaient à ce prix-là. Après, je ne sais pas, ça peut peut-être encore changer. Et pour finir, j'ai pris aussi un nouveau stylet comme ça. Hop, donc voilà, vous avez le petit stylet. Il est très, très beau. Vous aviez d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai pris ce design-là un peu... multicolore et le stylet avec l'embout comme ça et bien sûr le petit bouchon. Hop. Donc voilà, donc un petit stylet, il fait partie aussi des petites nouveautés et donc le stylet il est à 3,79 €. Donc voilà, donc comme j'avais un petit budget, j'ai pas pu prendre deux choses pour vous, mais je pense voilà, vous faire gagner les petits porte-clés quand j'aurai réalisé voilà, un ou deux avec vous en vidéo. Et bien sûr, les sachets, je vous mettrai, enfin les diamants, je vous les mettrai dans des sachets zip, hein, pour pas que, parce qu'une fois que le problème des sachets comme ça, comme ce sont des sachets en ribambelle, une fois qu'ils sont ouverts, bah, on ne peut pas les refermer. Donc je vous mettrai bien sûr des petits sachets zip pour que on ne perde pas de diamants. Donc voilà pour mon petit unboxing, hein. Il est très rapide puisque je n'ai pas beaucoup, d'articles. Mais en tout cas, je remercie la boutique DP Club de m'avoir envoyé ces articles, de me faire confiance. Vous aurez cette vidéo normalement ce vendredi, donc le vendredi 27 mai. Vous n'avez pas eu de vidéo vendredi dernier, c'est normal, je n'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, j'ai pas eu le temps de faire du DP. C'est vrai que voilà, avec la classe, etc., c'est un petit peu plus compliqué en ce moment de faire
de faire des vidéos, etc. Je voulais en faire d'avance pendant les vacances, mais je n'ai pas eu le temps non plus. Donc voilà, donc vous aurez en tout cas cette vidéo vendredi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.